Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser une application de type minuteur pour smartphone. Alors tout d'abord, je vais commencer par charger les différents éléments, les différents médias qui vont m'être utiles pour réaliser cette application. Donc je vais sur le bouton charger médias, puis je vais choisir les fichiers que je cherche, que je souhaite importer. Et donc pour ce faire, je vais suivre le chemin d'accès indiqué sur mon document de travail ou bien indiqué au tableau par mon professeur. Alors je vais déjà commencer par charger une image. C'est une image d'œuf qui me servira dans mon application puisque nous allons réaliser une application, un minuteur permettant d'indiquer le temps de cuisson des œufs. De la même manière, je charge une image pour réaliser le logo de l'application. Puis, je charge un son pour indiquer via l'application que le temps de minuterie est écoulé. Voilà, je viens de charger mes trois médias nécessaires dans mon application. Je vais maintenant intégrer eh bien, les différents éléments de l'interface utilisateur que je souhaite intégrer dans mon appli. Donc pour cette appli, je vais avoir besoin tout d'abord d'un label. Label dans lequel je vais indiquer un texte. Et au niveau du texte, je vais indiquer une question. Voilà, j'ai demandé quelle cuisson souhaitez-vous pour votre œuf. Alors ce label, par exemple, on va pouvoir changer, on va pouvoir déjà centrer le texte, on va pouvoir changer la taille de la police, mettons une taille 20 pour que ce soit assez visible tout de même. On peut également, si on le souhaite, choisir une largeur ou une hauteur automatique. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et pour la couleur du fond, je ne vais mettre aucune couleur de fond dans ce label. Ensuite, après avoir ajouté donc un élément de type label, eh bien nous allons intégrer une image. Je vais donc sélectionner mon image et je vais indiquer pour cet élément de type image quelle image je vais mettre dedans. Et donc je vais aller sélectionner l'image d'œuf que j'avais importée au préalable. Alors la même chose, je peux modifier la taille de cette image. Je vais par exemple la modifier en hauteur et lui mettre par exemple une hauteur de qui correspondra à 20% de la hauteur de la page. Voilà, c'est pas mal au niveau de la taille. Ensuite, nous allons ajouter les éléments du point de vue de la disposition et nous allons ajouter un tableau. Et pour ce tableau, nous allons garder les deux colonnes et nous allons choisir une seule ligne. Et ensuite, dans ce tableau, eh bien, nous allons servir des deux colonnes du tableau pour ajouter deux éléments différents. Nous allons tout d'abord retourner dans Interface utilisateur et mettre un bouton dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, nous allons rajouter à nouveau un label. Alors pour le bouton, paramètres le bouton, nous pouvons mettre une couleur de fond. Nous pouvons également, si nous voulons, si nous souhaitons, on peut changer la taille de la police. Alors je vais mettre une taille de police de 20. Et puis nous allons changer le texte. Et ce bouton va nous permettre de lancer une minuterie pour la cuisson des œufs à la coque. Donc je vais écrire coque. Voilà, c'est fait. Ensuite, au niveau du bouton, nous pouvons également modifier sa largeur et sa hauteur. Donc nous allons garder la hauteur automatique pour l'instant. Et au niveau de la largeur, on va demander une largeur qui fera 40% de la largeur de l'écran. Et enfin, pour ce bouton, nous pouvons changer la couleur du bouton. Nous allons choisir une couleur grise. Voilà. Nous allons maintenant cliquer sur le label. Et ce label, eh bien, nous allons également le paramétrer, donc modifier ses propriétés. Alors pour le label, nous allons centrer le texte. Nous allons changer le texte, puisque ce label va nous servir à écrire eh bien,
le temps à décompter pour la cuisson d'un œuf à la coque. Donc un œuf à la coque, il faut 3 minutes pour le cuire, ce qui fait donc en secondes 180 secondes. Nous allons écrire 180. Ce sera juste indicatif au départ pour indiquer, eh bien, le temps de la cuisson d'un œuf à la coque. Ce texte, eh bien, nous pouvons changer sa couleur. On va le mettre en rouge pour le faire ressortir. Et puis nous allons également modifier la largeur de ce label. Et nous allons mettre la même largeur que pour le bouton que nous avions fait juste avant. Nous allons mettre une largeur de 40%. Voilà, j'ai ajouté à peu près tous les éléments que je souhaitais mettre dans mon application. Alors, nous allons maintenant essayer de nous attarder, nous attacher à paramétrer l'écran, c'est-à-dire le fond de l'écran, ce qu'on appelle screen 1. Et donc sur cet écran, eh bien, nous allons demander à centrer tous les éléments dans la page. Ensuite, nous pouvons, par le biais des propriétés de l'écran, eh bien, nous pouvons changer le nom de l'application. Pour l'instant, elle s'appelle Cuisson œuf, puisque c'est le nom que j'avais donné à mon projet. Alors, je peux changer le nom, hein. Je vais l'appeler Cocotte, par exemple. Nous pouvons soit mettre une image de fond, soit mettre une couleur. Donc, moi, je vais mettre une couleur par défaut. Je vais mettre du jaune. Ensuite, nous pouvons changer le nom de cet écran qui s'appelle Screen 1, car dans une application, on pourra avoir plusieurs écrans, hein, Screen 1, Screen 2, Screen 3, etc. Donc ce Screen 1, nous allons changer son nom et nous allons l'appeler Minuteur. Et enfin, pour finir, eh bien, nous allons ajouter un logo à cette application, un icône qui va permettre donc, eh bien, de lancer cette application depuis un smartphone. Et donc je vais dans la partie icône et je vais aller chercher, eh bien, le logo que j'avais importé au tout début de ce tutoriel. Et voilà, nous avons réalisé le paramétrage, le design de l'application. Alors il manque un dernier élément, enfin quelques éléments à rajouter supplémentaires, puisque nous voulons faire je rappelle, un minuteur, hein, qui nous permettra de faire en sorte d'avoir le temps nécessaire pour cuire des œufs à la coque. À la fin de la minuterie, eh bien, ce minuteur devra sonner pour nous avertir. Donc on va rajouter plusieurs éléments pour cela. Tout d'abord, nous allons aller dans Capteur. Et puis, eh bien, nous allons ajouter l'élément Horloge. Donc je place l'élément Horloge sur l'écran. Et je vois apparaître en bas, puisque c'est un composant non visible, il va nous servir dans l'application, mais il ne sera pas directement visible dans l'application. Je vais également ajouter un élément de type son. Donc pour ce faire, je vais dans Média, et je vais ajouter un élément de type son. Pour cet élément de type son, qui sera donc non visible, eh bien je vais cliquer dessus, et dans le paramétrage, je vais lui dire quel son il doit jouer. Donc je vais aller choisir la source, et en son, eh bien, je vais prendre le son que j'avais chargé au tout début de ce tutoriel. Alors ce son, c'est un bruit de poulailler. Enfin, dernier élément, eh bien, je souhaite qu'à la fin lorsque le temps sera écoulé, je souhaite qu'il y ait donc un son qui se produise, qu'on entende le son du poulailler, mais également qu'un message d'avertissement apparaisse sur l'écran. Et donc pour ce faire, je vais aller dans la rubrique Interface utilisateur et je vais choisir Notificateur. Voilà, j'ai donc trois éléments qui seront non visibles dans l'application, mais qui seront quand même utilisés, l'horloge, le son et le notificateur. Voilà, mon application est paramétrée du point de vue du design. Je vais donc maintenant, eh bien, passer à la programmation. Et pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Bloc. Alors pour commencer, nous souhaitons lancer le programme. Je rappelle, hein, nous souhaitons, lorsqu'on appuie sur le bouton Coque, eh bien, nous souhaitons que le décompte se lance, un décompte de 180 secondes. Lorsque le décompte arrivera à zéro, eh bien, l'application doit jouer un son de poulailler, puis afficher à l'écran une notification nous indiquant, eh bien, que le timing, le temps est écoulé. Donc je vais aller sur les éléments que j'ai ajoutés, à savoir le bouton. Et je vais dire que lorsque le bouton qui s'appelle bouton 1, eh bien, lorsqu'il est cliqué, eh bien, je vais lui faire faire une action au niveau de l'horloge. Et donc je vais lui demander, au niveau de l'horloge, eh bien, et au niveau du chronomètre, eh bien, le chronomètre activé, je veux qu'il soit
vrai, qu'il soit activé. Je vais demander donc, lorsqu'on appuie sur le bouton 1, eh bien, je souhaite que le chronomètre soit activé. Et je vais demander, par la même occasion, dans mon label 2, je rappelle que label 2, c'est ceci, l'endroit dans lequel je vais afficher le temps. Eh bien, je souhaite que pour label 2, je souhaite que pour le label 2, eh bien, on mette un texte. Et donc, quel texte je veux qu'on mette dans label 2? Eh bien, je souhaite qu'on mette un nombre de secondes. Et donc, je veux qu'on indique 180 secondes, ce qui fait 3 minutes. Hein. Je rappelle, c'est le temps de cuisson des œufs à la coque. Voilà, deuxième paramétrage à faire. On vient donc de paramétrer le bouton. Deuxième paramétrage à faire, eh bien, il va se situer au niveau de l'horloge. Je vais donc sur l'horloge. Et donc, dès lors que l'horloge est lancée, hein, dès que le chronomètre est activé, dès lors qu'il est à vrai, eh bien, on va demander de réaliser une action. Donc, on va demander de réaliser une action, on va demander de mettre la partie label 2. On va lui demander au niveau du texte, qui est dans label 2, eh bien, on va lui demander de mettre le texte de départ, c'est-à-dire 180 moins 1. C'est-à-dire qu'on va enlever une seconde à chaque fois. Donc je vais dans maths, je prends la soustraction, voilà, donc là j'ai indiqué que dès lors que le chronomètre était lancé, le chronomètre de l'horloge, eh bien je souhaitais que dans la case label 2, donc la case label 2 pour rappel c'est celle-ci, juste ici, eh bien je demande dans le programme, je demande que dans cette case label 2, eh bien on mette le résultat de label 2, c'est-à-dire au départ c'était 180 moins 1. Et donc en fait, eh bien toutes les secondes, on va enlever une seconde et donc on va décompter 181, 179, 178, etc. Tout ça jusqu'à 0. Alors que doit faire le smartphone, que doit faire le programme dès lors qu'on arrive à 0? Eh bien nous allons l'indiquer maintenant et on va le préciser par le biais d'une instruction conditionnelle. Donc que dit le programme que nous devons faire? Donc nous indiquons que lorsque le chronomètre de l'horloge est lancé, eh bien nous demandons au programme, nous demandons eh bien de mettre dans la case label 2. La case label 2, je rappelle, c'est cette case ici où on indiquera le temps. Nous demandons dans la case label 2 eh bien de mettre le texte d'origine 180 moins 1. Donc nous allons décompter seconde par seconde de 180 jusqu'à 0. Enfin, nous allons préciser ce que l'on doit faire, ce que doit faire le système à la fin lorsque le temps arrive à 0. Eh bien, si le texte dans la case label 2 finit par arriver à 0, alors nous demanderons au système d'arrêter le chronomètre. Nous demanderons d'arrêter le chronomètre et nous allons également lui demander de jouer un son. Nous allons aller donc dans la rubrique son et puis nous allons appeler le son numéro 1. Le son numéro 1, je vous rappelle, c'est le son que nous avons introduit tout à l'heure, c'est le son que nous avons introduit juste ici, et donc c'est le bruit des poules dans le poulailler. Nous allons demander au système de jouer ce son, puis nous allons également lui demander d'afficher un message d'information, et pour ce faire nous allons utiliser le notificateur. Et donc nous allons lui demander d'afficher un message, et pour ce faire nous allons choisir ce bloc. Ce bloc qui permettra d'indiquer eh bien que le temps est écoulé.
Voilà, analysons un petit peu plus en détail les programmes que nous venons de réaliser. Donc tout d'abord, nous indiquons que lorsque, dans l'application, on clique sur le bouton 1. Le bouton 1, c'est ce bouton gris avec écrit « coque » dessus. Dès lors qu'on appuie sur le bouton 1, alors, le chronomètre de l'horloge doit être activé. Il passe au niveau vrai. Puis, dans la fenêtre label 2, eh bien, on doit y mettre un texte, et le texte qui doit être indiqué est le nombre 180. Donc label 2, c'est cette fenêtre, et au démarrage, dès lors qu'on appuie sur le bouton coque, le nombre 180 doit apparaître. Deuxième partie du programme, nous indiquons que lorsque le chronomètre de l'horloge est lancé, alors, eh bien, dans la case label 2, le texte qui doit être indiqué est le texte d'origine, c'est-à-dire 180 moins 1. Et ce décompte doit se faire jusqu'à 0. Ensuite, si le texte dans le label 2 arrive à 0, alors le système arrêtera le chronomètre, jouera le son des poules dans le poulailler, puis affichera une fenêtre de notification avec un message nous indiquant que le temps de cuisson des œufs à la coque est écoulé et nous proposant un petit bouton OK pour eh bien, quitter le timer. Et voilà, votre programme est terminé. Pour transférer ce programme dans un smartphone, eh bien, je vous invite à consulter le tuto correspondant.